Et salut tout le monde, c'est AlexDX77 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où on va voir un petit peu comment rejoindre un crew sur GTA 5. Il y a plusieurs manières, je vais vous présenter la manière sur le Rockstar sur Social Club .rockstargames.com puisqu'il y en a certains qui savent pas comment rejoindre un crew. Après vous allez me dire on peut faire via la Xbox, c'est sûr que c'est plus simple. Mais sauf que c'est un peu plus difficile de rejoindre le crew de quelqu'un d'autre que vous connaissez pas, que avec qui vous n'êtes pas ami. Alors que sur le site, sur le Social Club, c'est plus facile. Donc Social Club, c'est le site de Rockstar où il y a quelques features pour les crews, que ce soit sur Max Payne ou GTA 5. Et on peut voir ses statistiques sur les deux jeux. Et ça, c'est à peu près la même chose sur Xbox, directement sur Xbox ou PS3. Selon vous, et mais c'est toujours bien de pouvoir les voir sur ordinateur. Donc déjà nous allons rejoindre le club, donc on va créer un compte. Oh là là, changer de couleur pour améliorer vos performances. Oh là là, qu'est-ce que tu veux toi, dégage, ça me met des trucs bizarres. Donc vous allez taper votre pseudo, votre email, votre mot de passe, votre date de naissance, votre pays, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on se retrouve juste après pour la suite. Ok, je ne sais pas comment on fait une ellipse. Non, j'ai juste pas trouvé Evis. Allez, à tout de suite les gens. Une fois votre compte créé, vous allez devoir choisir une image. Alors déjà moi je vais prendre Haunted Auto Online. On va prendre au pif, je vais prendre celle-là, et on va dire mon avatar, on va confirmer. Bam, c'est bon, on a notre photo. Donc AlexDX776, genre j'ai juste rajouté le 6. Voilà, pour l'instant on a notre page, vous pourrez après choisir votre thème, soit Rockstar Classic, soit Life Invader. On s'en fiche. Maintenant on va faire rejoindre un crew. D'ailleurs à un moment il faudra quand même comment dire attendez, j'ai reçu le message justement sur mon adresse mail. C'est validé. Ouais, validez votre compte sur Rockstar Social Club. Il faut valider votre adresse email. Vous verrez ça, vous recevrez un message sur la boîte mail. Donc par exemple on va aller chercher le crew, mon crew Cross F, que vous pouvez rejoindre comme vous voulez. Alors Cross F, on ne le trouve pas. Tout type trou ouvert. On ne le trouve pas, mais comment ça se fait-il? Alors on va taper Cross. C'est assez problématique si on ne trouve pas mon petit crew. Soldat All Star, crew Rockstar. Non, crew ouvert. Normalement mon crew est ouvert. Nous ne l'avons pas ici. D'ailleurs j'aime bien cette image. Allié, nous ne l'avons pas. Je vais faire une ellipse, je pense avoir une solution, je vous reprends juste après. A tout de suite les gens. Donc c'est bon, j'ai trouvé la solution. Donc c'est juste que dans la barre après rockstargames.com, vous faites slash crew slash cross -f du bas. Et vous tomberez sur notre crew, c'est à peu près ce logo là. Et chef de crew AlexDX77, de toute façon le logo risque de changer dans les prochains jours. On essaie de trouver un autre emblème. Donc si jamais vous rejoignez, vous pouvez proposer votre emblème. Par exemple, Toro soit proposé ça. Bon, même si avant il avait proposé ça, c'est très très moche. Moi j'ai proposé ça, etc. C'est pas les plus beaux. J'en ai
J'en ai publié plein et exactement pareil, quoi. Donc, jusque-là, ça va. On a juste créé un compte. On a juste cherché le crew. Donc, c'était le plus difficile. C'était le plus difficile. Maintenant, non, en fait, c'est ça le plus difficile. Faites rejoindre. Lorsque vous parlez de... What? Alors, ça m'a mis quoi? Ça m'a mis quoi? Que j'ai rejoint le crew. Nous sommes maintenant 9 membres. Par exemple, je regarde sur GTA Online. Non, pas ça, on s'en fiche. Je sais pas, GTA Online, ça me met du Max Payne. Oui. Par exemple, pour l'instant, dans la hiérarchie, AlexX77, Bastille74, De Roseau, les deux représentants Furio, Vodka, et les hommes de main qui sont moi, AlexX776, Preda et deux abonnés. Donc, maintenant, on va remonter. Je vais juste vous expliquer comment relier votre compte Social Club à votre compte de jeu. Donc, vous allez dans le profil. Et vous associez mon compte de jeu. C'est ce qui est le plus simple. Vous faites selon votre compte Nintendo DS. Je savais pas ça. Vous pouvez relier avec le PlayStation Network ou le par Gamertag Xbox Live. Donc moi c'est Xbox Live. On va faire associer compte. J'ai pas de compte sur Xbox. Ça oui, vous Ah oui, non mais c'est parce que oui. En fait, pour Xbox Live, c'est peut-être la même chose pour le PlayStation Network. J'imagine. Non, c'est pas la même chose. Là, pour le PlayStation Network, vous taperez votre pseudo et votre mot de passe. Et ce sera bon. Pour le Gamertag Xbox Live, il le trouve directement. Genre, grâce à votre. À la. Grâce à la à votre adresse mail que vous avez associée à Rockstar Games et à votre compte Xbox Live. Voilà. C'est pour ça qu'il faut primordialement prendre votre email, le même email que vous avez sur votre Xbox Live, pour ceux qui sont sur Xbox. PlayStation Network, on s'en fiche. Vous pouvez prendre deux adresses qui ne sont pas identiques. Et je pense avoir fait le tour. Je vous ai tout montré. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur GTA, sur Pokémon, sur Minecraft, sur Call of, etc. Allez, bye tout le monde. Allez, ça fait du bien de faire chier. Par contre, je pense que le niveau 907, il a les moyens de faire comme moi.